bout dans la bouche qui mange. Tu vois. Je n'ai pas compris. Mais comme tu as mangé pour l'autre, tu veux de manger. On a assisté à une scène à Zaro. Une petite, elle dit, on dit, elle ne veut pas qu'on donne sa maman. Elle dit, mais comme tu ne veux pas qu'on donne la maman, maman te mange. Elle dit, non, hein. Ils l'ont pris, ils ont mangé. J'ai dit, mais elle dit, mais l'assister à la une scène. Vous savez, la monnaie, l'assise. Elle ne fout tout pas à manger devant elle. Et pour me dire, c'est pas cher. C'est une maladie. La sorcière, c'est une maladie. J'ai dit, mais tu es en danger. Toi-même, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en paix. Et demain, on te prend. Toi, tu as venu manger pour moi. Et elle me dit non. Hé, tu as mangé pour moi, tu m'as insulté, tu viens prendre les oeufs, tu pleures, tu manges devant moi. Mon fils, tu es préfet. Le juge a attrapé pour toi. C'est comme ça. Donc, c'est une maladie. Je leur explique que c'est une maladie. Si vous continuez à faire ça, vous allez voir que le village va disparaître. Et puis, il me pose la question, je suis du mais je lui dis, si on peut te comprendre, on peut vous soigner. Ok, soignez-nous. Ouais, non. Si ils ont fini par comprendre que... Parce que le sorcier se confie, il ne peut pas se confier à quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas l'aider. Lui va venir te dire, les gens disent, non, mais le sorcier, il ne veut pas se confier à toi. Là, tu confies à toi, comment? Tu vas lui faire quoi? Non, j'ai sorcier. Et puis, après, c'est pas pour les gibler, les frapper. Mon fils est un peu petit. Tu vas les frapper. C'est nous ici, on voit, c'est nous, on a divisé la sorcellerie. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens voient le sorcier, ça leur dit rien. Sinon, en France, on dit sorcier, on va gourder avant de le frapper. Quand je viens camerounais, on a posé les mêmes ministres du papier. J'ai les mêmes celui peut-être en Allemagne. Chez eux, on brûle sorcier. J'ai parlé avec lui de haut, tu sais, exode 28, qui s'est dit qu'il laissait la famille, la sorcière. Il y a beau parler, il faut venir vivre notre expérience. Quand le la dit, ah, il dit, tu as vu l'amour qu'on a autour de soi. Le sorcier me le procédé d'un esprit. Et quand tu entends parler, il dit que j'ai été innocent. Donc, ce n'est pas lui, il n'a pas lâché de ça. À ce possible, à qui il cache. Il a été initié. Il est rentré dans un machin, c'est un non-retour. Il faut l'aider. Il n'a plus pas comprendre. Et voici un ancien gangster, sorcier. Ils ont rejeté tout ça. Mais aujourd'hui, on a fait de lui quelqu'un à qui on a confiance. Après sa délivrance, ses parents ne le prennent pas. Ils ne croient pas en lui. On a beau négocier, ils ne veulent pas le prendre. Qui sorcier, les sorciers, ils ne changent pas. Donc, pour sa propre sécurité, voilà qu'il soit ici. Donc, il est dans une position où les gens croient en lui. Et psychologiquement, ça l'aide. Vous comprenez? Ça l'aide lui-même psychologiquement.